Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Confinement oblige, je vous reçois chez nous dans notre salon en espérant que tout va bien pour vous et pour vos proches. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de produits d'hygiène et de soins pour hommes 100% made in France et sans substances controversées. Ah, j'allais oublier, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par les marques que je vais vous citer, vous présenter. D'ailleurs, pour certaines que j'ai carrément laissé tomber, faudrait vraiment qu'elles soient mazo. Alors, on clique sur le petit pouce bleu pour me soutenir et on n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour bien commencer, je vais vous raconter un peu ce que j'utilisais comme produit jusqu'à présent et comment je me suis lancé dans cette recherche de produits 100% naturels fabriqués en France pour prendre soin de ma peau et de ma barbe. Je vous présenterai ensuite le résultat de mes recherches en vous parlant de deux marques françaises que j'utilise actuellement. Et en conclusion, je vous donnerai mes bons plans pour les trouver au meilleur prix et peut-être même des bons de réduction, mais pour ça, il faudra tenir jusqu'au bout pour les mériter. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai essayé et j'essaye encore pas mal de produits pour le soin et l'hygiène de ma peau et de ma barbe. Pour les cheveux, c'est un peu plus rare vu ce qui me reste. Et je dois avouer que le marketing a ses raisons que ma raison ignore et j'ai été bien plus sensible au packaging et à la communication qu'à la composition des produits. Pour tout vous dire, ma salle de bain était remplie de produits rituels pour la douche, de produits Nuxmen pour le soin de ma peau. Il me restait même un fond d'huile prodigieuse, vous savez, cette huile qu'on nous conseillait à l'époque avant qu'il y ait tout ce choix de produits pour la barbe. Et puis j'avais un melting pot de produits italiens, allemands ou anglais, toujours pour le soin de ma barbe. Et bien que j'avais l'application Yuka sur mon smartphone, vous savez, cette application qui permet d'analyser la composition des produits alimentaires et de beauté, si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien dans la description, je dois vous avouer que je m'en étais jamais vraiment servi. Me voilà donc un beau matin lancé à scanner tous les produits de ma salle de bain avec l'application Yuka, mais aussi INC Beauty qui est une autre appli d'analyse spécialisée dans la cosmétique. Vous voulez savoir le bilan ? Un vrai carnage. 8 produits sur 10 étaient médiocres, voire carrément mauvais. Seuls 3 produits rituels sur la douzaine que je possédais ont survécu. Pour le soin de la peau, c'est pire, il n'y a plus rien du tout. Au revoir les produits Nuxe pour hommes. Excite les produits de soins pour la barbe de la marque anglaise Damon Barber, pourtant extrêmement bien cotés sur certains sites spécialisés. Idem pour les produits de la marque italienne Bullfrog que j'aimais particulièrement. Seul le baume multifonction aura survécu à cette épuration cosmétique, ainsi que les produits de l'excellente marque allemande OAC que j'utilise encore aujourd'hui, surtout pour son baume modelant qui ne cartonne pas. Et je vous conseille donc, si vous n'êtes pas trop à cheval sur le Made in France, ces produits. Bon, vous l'aurez compris, j'ai tout bazardé et croyez-moi, j'ai eu un sacré pincement au cœur vu ce que ça m'avait coûté. Mais franchement, quand vous avez plus de 4 substances controversées, voire à risque, ma décision a plus été un acte de santé publique que vraiment du gaspillage. Me voici donc reparti sur le net, toujours épaulé de Yuka et de NC Beauty, pour trouver de nouveaux produits et y être du Made in France, c'est toujours mieux. Et figurez-vous que j'ai trouvé mon bonheur auprès de deux marques françaises que je m'en vais vous présenter aujourd'hui, Horace et Bivouac. Commençons par Horace. Pour moi, Horace a un peu la classe au juste prix. Il propose une gamme de produits très variés pour les cheveux, le visage, la barbe, le corps et même du dentifrice. Leurs produits sont naturels à 95% voire plus et certains de leurs produits sont certifiés bio jusqu'à 40% et peut-être même au-delà, je n'ai pas pu vérifier toute la gamme. Bien entendu, ils sont fabriqués en France, certifiés non testés sur les animaux et en prime, Horace reverse 1% de ses ventes à l'association 1% Force de Planète. Ce que j'aime bien chez Horace, c'est qu'ils sont très proches de leurs clients, très à l'écoute. Ils maintiennent un lien particulier de proximité et tiennent compte de nos remarques pour améliorer ou concevoir de nouveaux produits. J'ai commandé 2 des 3 gels de douche qu'il propose, le dentifrice, le gel à raser, le shampoing et l'huile, le nettoyant, l'exfoliant pour la barbe et la crème hydratante matifiant pour le visage. Tous leurs produits sont classés comme bons voire excellents sur Yuka et satisfaisants à bon sur NC Beauty. Avec les gels de douche Horace, j'ai vu tout de suite la différence avec mes anciens produits. Ça mousse peu, les parfums sont sobres et ils laissent un voile doux sur la peau vraiment appréciable. J'alterne avec le gel de douche bergamote d'Italie menthe poivrée, vraiment rafraîchissant, et le gel de douche cèdre de Virginie feuille de sauge qui me rappelle un peu les parfums des produits rituels. Ensuite, j'ai essayé leur nettoyant visage au charbon, vraiment excellent, sans parfum, il laisse une sensation de douceur sur la peau plusieurs heures après le lavage. Puis j'ai essayé leur shampoing pour la barbe, qui me rappelle d'ailleurs celui de OAC, mais en un peu plus doux. L'exfoliant visage s'avère très très doux, ainsi que le gel hydratant matifiant, qui d'ailleurs pour sa part ne laisse aucune sensation de gras, c'est vraiment appréciable. Il y a aussi le dentifrice sans fluor, qui fait très bien le job et laisse une agréable sensation de fraîcheur. Le gel à raser Horace.
Et enfin, l'huile pour la barbe qui mériterait un flacon un petit peu plus pratique, notamment avec une pipette comme font certains. N'étant pas Crésus et vu la richesse de leur gamme, j'ai pas pu tout acheter d'un coup. Prochainement, j'espère tester leur masque purifiant, leur nettoyant purifiant visage ainsi que leur gel après rasage. Je vous ferai une nouvelle vidéo si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parlons désormais de la marque française Bivouac. Bivouac, c'est un peu le summum des produits naturels français. Ils proposent une gamme plus simple, uniquement dédiée à l'hygiène du visage et de la barbe, ainsi qu'un savon sur gras pour le corps. Les produits Bivouac sont composés de 93,8% de produits naturels et jusqu'à 100%. Ils sont tous certifiés bio de 20% minimum et jusqu'à 99,96%, notamment pour l'huile pour la barbe. Bivouac est lauréat de la mention Slow Cosmétique et certifié non testé sur les animaux. Ils fabriquent leurs produits de manière artisanale dans la région de Vierzon. Leurs packaging sont recyclables et réduit au strict minimum. Ils reversent également 1% de leur vente à l'association 1% Force de Planète. J'ai commandé chez eux le shampoing, le baume, l'huile à barbe, le nettoyant visage, l'exfoliant et le gel hydratant visage. Avec les produits Bivouac, on est immédiatement en contact de la nature. Tous les produits Bivouac ont un agréable parfum de sapin, jamais trop présent ni entêtant. L'huile et le baume pour la barbe sentent peut-être un peu plus, mais cela reste raisonnable. Le nettoyant visage est vraiment très très bien aussi. Il laisse un voile doux sur la peau pendant plusieurs heures après le lavage. À cela, vous rajoutez le gel hydratant, lui aussi très soyeux, il ne colle pas, il n'est pas gras. J'ai particulièrement craqué pour leur shampoing à barbe, vraiment très très doux. Il m'a vite fait oublier celui que j'utilisais jusqu'à présent de la marque Bullfrog. Associé avec le gel nettoyant visage, vous avez un combiné parfait qui laisse un voile soyeux sur votre peau pendant plusieurs heures après usage. Il y a aussi leur exfoliant visage dont j'apprécie particulièrement le côté pas trop agressif. Il est enrichi en charbon végétal, en aloe vera et en karité. Bravo également pour leur huile à barbe, vraiment très très pratique. Regardez, rien de tel qu'une petite pipette pour doser correctement et pas gaspiller. Ça c'est vraiment très très bien. Et bien sûr, leur baume à barbe qui hydrate vraiment bien la peau et la base du poil. Étant plus amateur de gel de douche que de savon solide, je n'ai pas testé leur savon sur gras, je le ferai sûrement lors d'une prochaine commande. C'est vraiment dommage qu'ils ne proposent pas un gel de douche en flacon pompe, avec cette odeur de sapin, ça serait vraiment super. L'heure de la récompense a sonné, cette vidéo touche à sa fin et pour ceux d'entre vous qui ont tenu jusque là, il est temps de parler des bons plans et des bons de réduction que vous avez bien mérités. La plupart du temps, sur les sites internet, vous bénéficiez d'un bon de réduction de 10% environ lorsque vous vous inscrivez sur la newsletter du site. C'est le cas pour Bivouac qui vous offrira 10% pour votre première commande et pour Horace, j'ai un deal beaucoup plus intéressant. En vous parrainant, je peux vous faire bénéficier de 20% de réduction sur votre première commande. Je vous laisse le code dans la description. Pour finir, dans ma recherche du meilleur prix, un site à remporter la PAM, il s'agit de silexpourhomme.fr qui ne vend que des produits pour hommes 100% naturels et fabriqués en France. La livraison est seulement à 3,50€ et elle est offerte à partir de 59€ d'achat. Je vous laisse le lien dans la description ainsi que le code promo pour votre premier achat. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas pour me soutenir de cliquer sur le pouce bleu ainsi que sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. En attendant, je vous donne rendez-vous sur mon site internet www.unsimplegeek.fr et bien sûr sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Ciao ciao, à bientôt.